Bonjour, je voulais vous parler de la mémoire. On a démontré que c'est entre 15 et 25 ans qu'on va accumuler le plus de souvenirs pour toute notre vie. C'est vraiment là qu'ils seront les plus importants, ceux dont on se rappellera tout au long de notre vie. Alors pourquoi 15 à 25 ans? Ben parce qu'il y a plein de premières fois. Première fois qu'on part en voyage, première fois qu'on fait un truc tout seul, première fois la sexualité, première fois les amis, première fois séparé de papa-maman, première fois, voilà, plein de premières fois, qui fait que ça s'imprègne énormément dans notre cerveau entre 15 et 25 ans. Voilà, ça c'est un fait, c'est la mémoire. Maintenant, en tant que parent, c'est quand même une période en général quand nos enfants ont entre 15 et 25 ans qui n'est pas facile puisqu'ils se détachent de nous et ils s'autonomisent. Mais nous, est-ce que c'est facile pour nous, c'est facile pour eux, c'est difficile pour les deux? Enfin, c'est une période quand même très difficile, l'adolescence. Mais en tout cas, il faut quand même se dire que c'est ce qui va principalement se rappeler pour toute sa vie. Donc, ça motive encore plus pour peut-être prendre de la distance, se faire aider en tant que parent, en parler autour de soi, trouver de l'aide, puisque ça va marquer énormément tous ces souvenirs-là, bah, toute sa vie. Donc, voilà, c'est très important, les souvenirs de jeunesse, d'adolescence pour toute une vie. Donc, à nous parents de faire en sorte que ce soit des beaux souvenirs. Merci pour vous.